Cette conférence prend place dans un cycle qui s'appelle « Des premiers apprentissages au savoir scolaire ». Peut-être que certains d'entre vous ont entendu la conférence de Roger Lécuyer le 7 octobre sur les premiers apprentissages chez le bébé. Et donc, moi, j'arrive pour parler des plus grands, les 2 à 6 ans. Et ça s'appelle « Les premiers pas à l'école ». Je vais vous parler du développement des enfants de 2 à 6 ans et du rôle de l'école maternelle dans ce développement. Alors, quelques mots de présentation, on m'a dit de me présenter. Donc, vous savez que je suis Agnès Florin, je suis professeure émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes, où j'avais créé le laboratoire de psychologie que j'ai dirigé pendant une douzaine d'années. Mes activités de recherche avec mes collègues, parce que c'est quand même un travail d'équipe, ont commencé d'abord au CNRS à Poitiers, autour des questions concernant le développement du langage, le lexique, la compréhension de textes chez les enfants, et puis les interactions adultes-enfants, notamment à l'école maternelle. Et ensuite, quand je suis arrivée à Nantes comme professeure, j'ai commencé à m'intéresser plus spécifiquement au contexte éducatif et au développement de l'enfant dans les contextes éducatifs que peuvent être la famille, mais aussi le préscolaire, ce qu'on appelle le préscolaire dans la littérature internationale, c'est-à-dire le 0-6 ans. Le préscolaire chez nous, il est un petit peu spécifique en France, puisque à partir de 3 ans, voire même avant, tous les enfants sont à l'école maternelle, qui ne peut pas vraiment être qualifié de préscolaire. J'ai travaillé notamment sur l'impact de certaines caractéristiques des modes d'accueil, la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, sur des comparaisons crèche, école maternelle, sur un certain nombre de dimensions du développement. Et puis, depuis plusieurs années, je m'intéresse avec mes collègues, j'en parlerai également, à l'impact de dispositifs d'enseignement plurilingue, notamment des langues familiales, notamment dans nos DOM-TOM, l'impact de ces enseignements plurilingues précoces sur le développement des enfants et sur leurs compétences. Et puis, depuis 2-3 ans, j'ai centré mon activité sur l'étude du bien-être des enfants tel qu'ils l'évaluent eux-mêmes, et ce, dès l'école maternelle. Pour les plus jeunes, c'est quand même un peu difficile de savoir, on a des indicateurs différents. Voilà, et puis, en plus de l'activité de recherche et de publication, j'ai fait un certain nombre d'expertises au niveau national ou international, notamment sur le préscolaire, le scolaire, que ce soit pour l'UNICEF, l'OCDE, des organismes nord-américains ou en France, le Sénat, le ministère de l'Éducation nationale, etc. etc. Voilà pour le pédigré. Donc, je vais vous parler de certains aspects du développement des jeunes enfants, mais avant, je voudrais dire un mot sur le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement ? En fait, on étudie là des processus de changement et aussi des continuités de la vie fœtale à la mort. Alors, le développement, c'est pas seulement aujourd'hui un peu plus qu'hier et bien moins que demain. Le développement, même normal, est fait d'avancées rapides, mais aussi de stagnation, voire de régression ponctuelle. Alors, la notion centrale, c'est évidemment le changement. Reste à savoir ce qui change. Je ne vais pas le développer ici. Beaucoup de choses changent dans le développement. D'une part, les conduites ou les comportements. Un tout petit enfant ne se conduit pas comme un enfant de 6 ou 7 ans. C'est aussi le processus de traitement de l'information en termes de rapidité, mais aussi de manière de traiter l'information.
Puis ce sont les relations au monde physique, au monde humain, les représentations, les savoir-faire, les connaissances, ainsi que les rôles sociaux qui évoluent de la naissance donc jusqu'à la mort. Alors évidemment, ce développement, il est multifactoriel dans son explication, puisque ce sont des interactions entre les aspects biologiques, la culture, l'éducation, et puis les expériences personnelles. J'aime bien voir tout le monde. Les expériences personnelles, c'est-à-dire, moi je dis quelquefois, la psychologie, elle réintroduit la liberté du sujet dans l'analyse de son évolution. On n'est pas entièrement déterminé par nos gènes, par notre milieu social. Alors, qu'est-ce qui change entre 2 et 6 ans chez l'enfant ? Ben, je suis tentée de dire tout. À 2 ans, un enfant n'est plus un bébé. En général, il marche. Il y a beaucoup d'acquisitions dans tous les domaines du développement, hein, le développement moteur, mais aussi dans cette période, le développement cognitif, le développement langagier. 2 ans, c'est le début du langage articulé. Vers 6 ans, un enfant peut s'exprimer par un certain nombre d'énoncés, on dirait de phrases à l'écrit, ou bien même faire des récits. Et en tout cas, il est capable d'entrer en interaction, de prendre l'initiative d'interaction au cours de cette période. Alors, ce qui est important aussi de noter, ce sont les décalages et les interactions entre les différents domaines du développement. Bon, il se peut qu'un enfant soit un peu en avance du point de vue moteur par rapport à son âge et à l'heure, si on peut dire, du point de vue langagier. Les décalages dans ces différents aspects du développement sont monnaie courante. On sait aussi qu'il existe des étapes du développement qui donnent simplement des repères et qu'il ne faut pas considérer comme des normes rigides. Bon, j'ai écrit un certain nombre d'étapes que j'ai publiées dans un petit ouvrage puis qui a été repris sur un site du ministère de l'Éducation nationale, dont je donne les coordonnées, mais vous allez sur eduscoleducation.fr et vous allez y arriver. Et puis, à 6 ans, ben à 6 ans, c'est vraiment plus du tout un bébé et il est prêt à entrer dans ce qu'on appelle la grande école. Alors, quand je dis cela, c'est purement descriptif. Il faut voir aussi l'enfant dans ses contextes de vie, et ses contextes de vie sont multiples et vont également évoluer. Premier contexte de vie en général pour la plupart des enfants, c'est la famille, mais ces contextes de vie vont s'élargir, s'interpénétrer aussi avec des influences réciproques. Ils partagent des valeurs ou ils s'opposent sur certaines valeurs éventuellement. Ce qui est autorisé dans la famille ne l'est pas dans l'accueil préscolaire si on va chez la nounou ou à la crèche. Ensuite, l'école, comme je l'ai rappelé, pour les enfants dès l'âge de 3 ans et même un peu avant, on y reviendra. Mais il faut aussi penser à ces contextes de vie extérieurs à la famille, que sont le quartier dans lequel l'enfant va pouvoir nouer des interactions, et puis aussi les lieux de loisirs. Et dans ces différents contextes de vie, il va développer des relations avec les adultes et avec d'autres enfants. Alors ça fait beaucoup de contextes de vie qui sont pas tous très stables, et pour certains enfants l'école peut apparaître comme un contexte stable, voire le plus stable. Quand la famille change, quand on déménage, quand on change de nounou, de mode d'accueil, etc.
Donc, on était là dans des descriptions très, très générales du développement. Alors, bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout le développement, tous les aspects du développement en 45 minutes. Donc, j'ai choisi de faire quelques éclairages sur plusieurs aspects concernant le développement cognitif et conatif. Je vais expliquer ce mot que beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement pas. Mais aussi le développement affectif et le développement social. Et puis dans un deuxième temps, je parlerai du rôle de l'école maternelle, mais aussi dans ce cadre du rôle des adultes, parce que l'école maternelle, elle interagit aussi avec la famille, du moins faut-il l'espérer. Alors pour commencer par les aspects cognitifs et conatifs, tout d'abord, en ce qui concerne le développement cognitif, on dit aussi le développement intellectuel. On considérait autrefois que finalement ce développement allait du plus simple au plus complexe. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et nous savons que les bébés, quand ils arrivent au monde, c'est pas une tabula rasa qui n'a pas de connaissances ou de compétences, bien au contraire. C'est pas quelque chose de vierge sur lequel vont s'imprimer des expériences, des savoir-faire, etc. seulement à la naissance, certainement pas. Donc Roger Lécuyer a dû expliquer cela. Et donc les bébés disposent de capacités de connaissances et de compétences tout à fait développées. Et finalement, le développement intellectuel, aujourd'hui, on considère qu'il avance d'une manière biscornue. Je reprends ici le terme utilisé par Olivier Houdet, qui est professeur à Paris-Descartes. Et que les adultes eux-mêmes, réfléchissez aussi à votre manière de vous débrouiller dans la vie quotidienne. Vous ne faites pas toujours des hypothèses que vous vérifiez, parce que finalement, dans beaucoup de situations, faire comme on avait fait la veille, par exemple, peut suffire. Bon, quelquefois, on se plante un peu, si vous me permettez cette familiarité. Mais ça peut marcher dans des approximations, des répétitions de solutions qui ont marché une fois, peuvent marcher d'autres fois, et nous aider dans bien des problèmes de la vie quotidienne. Le développement, en fait, c'est aussi de l'inhibition. De l'inhibition de structures archaïques et de connaissances irrationnelles en concurrence avec des structures nouvelles. C'est trivial du point de vue des comportements. Pour demander quelque chose, un petit enfant va crier ou tirer sur le pantalon ou les jupes de ses parents. À 2 ans, ça peut faire partie des comportements habituels. Évidemment, avec le développement, ça va plutôt s'inhiber pour utiliser d'autres formes de demandes. Ou bien, il va penser que, comme on dit que le soleil se couche le soir, il va dormir dans son lit et puis on le revoit le lendemain. Bon, il faut inhiber ce genre de connaissances pour arriver à comprendre un peu comment marche le monde. Une autre chose qui est tout à fait importante et en développement dans les recherches aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de différents termes les capacités d'autorégulation, c'est-à-dire qu'un enfant soit capable de réguler lui-même son activité, de pouvoir maintenir son attention, pouvoir s'organiser dans une tâche, exercer un certain contrôle sur sa propre activité. Et ce sont ces capacités dites d'autorégulation, les neuropsychologues parlent aussi de fonctions exécutives, ont un impact sur les performances scolaires et sont même prédictifs des performances, excusez le terme, académiques ultérieures. C'est étudié surtout dans les travaux anglo-saxons, mais dans mon équipe, il y a un collègue qui s'appelle Philippe Guimard qui a travaillé là-dessus et continue avec des étudiants, avec des doctorants. Et on commence à l'étudier dans des situations dites écologiques, dans la vraie vie en quelque sorte, et pas seulement dans des situations purement expérimentales.
Alors, évidemment, les aspects cognitifs, les capacités cognitives sont connues pour avoir une place importante dans le développement, mais on sait aujourd'hui que ces dimensions-là ne suffisent pas à expliquer les performances des enfants, voire des élèves. Et on doit aussi considérer l'interaction entre ces dimensions cognitives et les dimensions dites conatives des apprentissages. Alors ce terme, peut-être pas très familier, désigne en fait la motivation, l'estime de soi, l'espérance de réussite, notamment. Et on sait que l'espérance de réussite peut se dégrader très tôt chez les enfants et qu'ils peuvent aussi chercher à préserver leur estime de soi en apprenant plus. C'est ce qu'un psychologue social a appelé l'auto-handicap. On sait que le sentiment de compétence est extrêmement important chez l'enfant, il l'est aussi chez l'adulte d'ailleurs. Il agit sur les émotions, sur la motivation, la pensée et le comportement par ce qu'on appelle des anticipations de réussite ou d'échec. Bon, c'est pas la peine que je travaille parce que de toute façon, elle dit que je parle mal, alors je parle plus. Ça, c'est des enfants de maternelle qui m'ont dit ça dans le cadre d'interviews. Ou ben, je vais essayer de parler beaucoup parce que comme ça, je vais pouvoir parler bien et mon papa m'écoutera plus. Bon. Donc, espérance de réussite, espérance ou crainte de l'échec commence très tôt. On a du découragement qui peut se révéler dès l'école maternelle quand l'enfant ne comprend pas bien finalement ce qu'on attend de lui et comment il peut réussir et comment il peut plaire aussi à l'enseignant par ses activités, ses comportements. Donc c'est tout à fait important d'aider les enfants non seulement bien sûr à développer leurs compétences cognitives mais aussi à le faire en gagnant confiance en soi, en ayant cet espoir de réussite qui est aussi motivation et facilite les apprentissages. On a beaucoup parler d'une école de la confiance lors de la concertation pour la refondation de l'école en 2012 qui a été le prélude à la nouvelle loi sur l'éducation de 2013. Et pour nous, il s'agit aussi, ça figure maintenant en toute lettre dans la loi sur l'éducation, non seulement d'aider les enfants à apprendre, et pas seulement les apprentissages dits fondamentaux de l'école, mais à apprendre le monde, à découvrir le monde, à développer leur savoir-faire, leurs compétences, leurs connaissances, mais l'école, les adultes en général, doivent aussi développer leur capacité d'expression, leurs compétences sociales. Et ce n'est pas incompatible avec le fait de favoriser leur bien-être. On a vu que les pays d'Europe du Nord, par exemple, qui ont les meilleurs niveaux de performance scolaire, à différents niveaux du cursus, sont aussi les pays dans lesquels l'évaluation du bien-être est la plus élevée. J'aurai l'occasion d'y revenir dans mon exposé. Alors, je voudrais, sur les aspects affectifs, parler des travaux sur, non pas l'attachement, mais les attachements. Là aussi, ça a été un peu une petite révolution, en tout cas une évolution sensible. Il y a encore une trentaine d'années, on considérait que les enfants étaient attachés essentiellement à leur mère. Donc on parlait de l'attachement à la mère en oubliant de regarder que les enfants tissent très tôt des relations avec d'autres personnes. Alors cette théorie de l'attachement, on la doit à Bowlby qui est décédé en 1986, qui était un psychanalyste et un éthologue anglais.
Et l'attachement, Bowlby l'a défini comme une relation qui s'établit avec une personne en fait capable de partager vos émotions. Et chez le bébé, l'attachement correspond, ce besoin d'attachement, c'est un besoin primaire, au sens de besoin premier, avant même le besoin de nourriture. Et il se traduit par une recherche de proximité et de protection. Alors cette relation, quand elle s'établit de façon sécurisée, ce qui est le cas dans toutes les cultures d'à peu près 2/3 des enfants, cette relation facilite l'accès à l'autonomie, facilite la socialisation et aussi l'engagement de l'enfant dans les tâches cognitives et langagières. Donc c'est un facteur d'évolution, de bien-être évidemment, savoir qu'on peut compter sur quelqu'un quand on a une alerte, quand on est mal physiquement ou psychiquement, c'est quelque chose d'essentiel pour grandir. Mais pour un petit nombre d'enfants, 1/3, cet attachement aux parents, notamment, peut s'avérer insécurisé. Il y a différentes formes d'attachement insécurisé. C'est pas ce que je cherche à développer là. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les recherches des 30 dernières années ont montré, et on y a contribué aussi avec mes collègues, que les enfants développent très tôt, comme je vous l'ai dit, des attachements multiples, alors bien sûr avec en général la maman qui est la première donneuse de soins, de soins pas uniquement physiques mais aussi émotionnels. Et cet attachement va se développer très tôt et très vite aussi avec les quelques rares autres personnes capables de partager des émotions avec un enfant. Alors ça peut être évidemment le papa, ça peut être un grand frère ou une grande sœur, ça peut être l'assistante maternelle, l'éducatrice de crèche et plus tard d'autres personnes. Et ce que nous avons pu montrer, qui est quand même quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on examine les relations d'attachement d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui peuvent être soit à la crèche, soit à l'école maternelle, eh bien, la moitié, même un petit peu plus, un peu plus de la moitié de ceux qui étaient insécurisés avec leur mère étaient sécurisés avec le professionnel du lieu d'accueil, l'éducatrice référente à la crèche ou l'enseignante de maternelle. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de sécurité à la crèche qu'à l'école maternelle, et en fait, ça n'est pas le cas. Alors, nos hypothèses explicatives sont que il y a peut-être plus de stabilité à l'école maternelle avec l'enseignante référente, alors qu'à la crèche, il y a plusieurs personnes qui, au cours de la journée ou de la semaine, prennent en charge l'enfant, s'occupent de lui, et que peut-être ça compense l'inégalité de ratio adulte-enfant, qui est plus favorable en général à la crèche, un adulte pour 8 enfants qui marche, quand on parle des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, et bon, 2 adultes en général, mais pas tout le temps, pour 25 enfants, c'est la moyenne d'une classe de maternelle. Donc 1 pour 8, 1 pour 12, si on est dans ces conditions-là, c'est pas toujours le cas. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants trouvent dans des lieux d'accueil, crèche ou école maternelle, des possibilités de compensation de difficultés d'interaction, de difficultés d'attachement qu'ils peuvent avoir dans la famille. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que les attachements avec le papa et avec la maman ne sont pas tout à fait de même nature. Alors, la plupart des enfants sont attachés de manière sécurisée à leur maman et à leur papa.
Ça n'est pas toujours le cas, ça peut être différent entre les adultes, mais on a montré aussi que la relation elle-même peut être un peu différente. On dit quelquefois que l'attachement au papa, à la relation avec le père, est une relation d'activation, le père favorisant davantage la prise de risque que ne le font les mères. Bon, je pense que il y a lieu de se dire ça dépend aussi du partage de l'éducation de l'enfant entre les deux parents. Ça dépend aussi certainement du tempérament. Mais c'est important de voir que les formes d'attachement peuvent être différentes. Alors maintenant, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, qui a connu aussi un grand développement dans les recherches en psychologie de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'esprit ? Bon, on connaît les théories du monde physique, et les enfants vont mettre des années à faire, par exemple, leur révolution copernicienne, qui a pris des millénaires à l'humanité. Admettre que le soleil, malgré les apparences, ne tourne pas autour de la Terre. Hein, il va leur falloir plusieurs années pour admettre cela. On a largement étudié ces théories du monde physique en psychologie du développement cognitif, mais les enfants en parallèle découvrent aussi le monde mental, le monde des pensées. Et donc ils se construisent ce qu'on appelle des théories de l'esprit, de la manière dont les personnes pensent et du fait qu'elles peuvent penser différemment de lui. Voilà. Alors ça va connaître un très très fort développement justement dans la période qui nous intéresse, de 2 à 6 ans. Évidemment, c'est fondé sur l'expression et la compréhension des émotions, mais aussi la compréhension des états mentaux, des pensées et des savoirs d'autrui. Alors, on a pu définir un ordre chronologique dans ce développement de la théorie de l'esprit, de la compréhension des états mentaux, des pensées d'autrui. Ça commence par la compréhension des désirs d'autrui. C'est vers 3 ans, c'est généralement acquis, mais ça peut démarrer vers 18 mois, on peut le mettre en évidence plus tôt, c'est-à-dire le fait qu'un enfant comprend que autrui désire quelque chose qui peut être différent de ce que lui-même désire. Et va essayer de répondre à ce désir de la personne. La compréhension des croyances d'autrui, c'est acquis à peu près vers 5 ans. Les savoirs et les pensées d'autrui, c'est plus tardif, vers 8 ans. L'analyse des actions d'autrui en fonction des circonstances, de la personnalité, des relations sociales, on peut blâmer quelqu'un ou pas, selon les circonstances. Selon les relations sociales établies avec d'autres personnes. Alors c'est encore plus tardif, c'est disons la préadolescence. Alors comment s'y prend-on pour étudier ça? Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est ce qu'on appelle là une recherche sur une tâche de fausse croyance. On utilise des poupées et ces poupées doivent retrouver un objet caché. Là, c'est la bille. Où Sally va-t-elle chercher la bille ? Et on va explorer différentes situations. Celle qui cherche sait ou bien ne sait pas où est caché l'objet. Donc, où va-t-elle chercher ? Ou bien elle peut avoir oublié ou elle peut deviner où est l'objet. Elle peut désirer l'objet ou pas. Donc, en fonction de ces éléments, où l'enfant croit-il que Sally va chercher la bille ? Et donc les enfants doivent dire ce que fera la poupée selon son état mental supposé. Et à 5 ans, ils ont construit une première théorie de l'esprit selon laquelle les personnes agissent en fonction de ce qu'elles croient et non pas en fonction de la réalité.
Mais c'est compliqué pour un petit, hein, parce que dans un premier temps, on va faire un jeu, donc on cache des Smarties dans la boîte A. On a deux boîtes, une boîte A et une boîte B, on les cache dans la boîte A devant un compère, et puis le compère sort, et on dit à l'enfant, allez, on va faire une blague, on va mettre les Smarties dans l'autre boîte, dans la boîte B. Et on dit, quand il revient, où va-t-il chercher les Smarties? Eh bien, un petit était incapable d'abstraire sa propre connaissance. Il sait qu'elles sont dans la boîte B, et il dit, il va chercher dans la boîte B. Donc, uniquement en fonction de la réalité. Il ne peut pas imputer à autrui une connaissance différente de la sienne. Et ça, cette compréhension des états mentaux et du fait que les personnes agissent en fonction de ce qu'elles croient et non pas en fonction de la réalité, vous voyez, ça va prendre quelques années, notamment toute cette période de 2 à 6 ans, mais ça ne sera pas terminé à l'âge de 6 ans, puisque ça va nous amener jusqu'à l'adolescence. Alors, cette compréhension du monde mental, elle est en lien avec le raisonnement moral, et c'est à la fois du développement cognitif, du développement langagier, puis aussi du développement social. Et donc, on voit bien toute l'importance qu'on devrait lui accorder en éducation. Les enfants découvrent à l'âge de la maternelle que les personnes agissent en fonction de ce qu'elles croient, et non pas en fonction de la réalité ou de ce qu'ils croient eux-mêmes. Et on peut les aider à interpréter correctement les attitudes d'autrui, à comprendre les émotions, leurs propres émotions et celles des autres, et à faire face à des situations conflictuelles qu'ils rencontrent inévitablement, que ce soit à l'école ou dans n'importe quel contexte de vie. Et au Québec, par exemple, on a développé des programmes sur ces compétences sociales, avec du support pédagogique pour la classe. Là, je vous en ai donné un qui s'appelle « De la sécurité à la confiance », avec des exercices qui sont pour toute la classe, hein, pour tous les enfants, pour apprendre à comprendre ses émotions et comprendre les émotions d'autrui. Donc, on pourrait, je pense, s'en inspirer en France. Alors, j'en viens à l'éducation de la petite enfance. On a pu lire quelquefois « Tout se joue avant 6 ans ». Bon, ça n'est que partiellement vrai. Un psychologue du développement comme moi sait fort bien que le développement, je vous l'ai dit, c'est de la vie fœtale. Nous changeons pendant toute notre vie dans tous les aspects du développement que j'ai indiqué, mais évidemment ces premières années sont importantes pour les relations qu'on établit avec les autres personnes, les relations au monde, la compréhension à la fois du monde physique et du monde mental. Mais il ne faut pas oublier que pendant longtemps, l'éducation de la petite enfance a été considérée comme une question de soins au bébé et de mode de garde. Donc en gros, du moment qu'on aérait bien les bébés, qu'ils étaient bien nourris, qu'ils pouvaient dormir, avoir des rythmes réguliers, on élevait bien les bébés. Moi, je parlais de conseils d'élevage, d'ailleurs, qu'on donnait dans les maternités, plutôt que de conseils d'éducation. Hein, quel lait employer, est-ce qu'il faut les coucher comme ci, comme ça, etc. Ce qui est loin d'être inutile, hein, surtout quand c'est le premier et qu'on est un peu démunis. Tous les conseils relatifs à l'aide au développement me paraissent largement aussi importants. Mais vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, il y a une dizaine d'années, je faisais une conférence, je participais à une conférence européenne sur l'éducation de la petite enfance, et dans les pays de l'Est, on considérait que les professionnels de la petite enfance outrepassaient leur mission s'ils faisaient autre chose que, je reprends mon terme, de l'élevage. L'éducation, c'était le rôle des parents, on n'avait pas à s'immiscer là-dedans. Alors évidemment, ça a beaucoup évolué, compte tenu justement de l'impact connu de ces premières années. Et la qualité de l'éducation de la petite enfance a un impact, on l'a vu dans les études longitudinales, où on suit pendant de nombreuses années, même jusqu'à l'âge adulte, des cohortes de milliers de personnes. L'éducation de la petite enfance a un impact sur la suite du développement physique et mental,
et aussi sur les trajectoires de vie, les trajectoires scolaires, les trajectoires de vie, et même sur l'insertion professionnelle. Vous voyez ? Ça, ce sont des études de l'OCDE qui l'ont montré. Et les pays qui ont les meilleures performances scolaires dans les comparaisons internationales, que ce soit en fin de primaire ou au-delà pour les jeunes de 15 ans, sont aussi les pays qui investissent le plus dans l'éducation de la petite enfance. C'est pas que la France n'investisse pas, elle investit autant que les pays d'Europe du Nord. Alors là, il semble que ça va bouger un petit peu. Mais alors que les pays d'Europe du Nord investissent essentiellement dans les lieux d'accueil et dans le fait de faciliter les lieux d'accueil, les crèches, etc., pour les familles, la France a surtout investi dans l'aide directe par des allocations aux familles, ce qui est beaucoup moins efficace, d'après les comparaisons internationales qui ont été faites, qu'investir dans les places d'accueil individuelles ou collectifs de qualité pour les enfants. Et quand on parle d'éducation de la petite enfance, de plus en plus, on considère vraiment l'éducation globale de l'enfant, son développement personnel, les apprentissages de tous les aspects de la vie, et pas uniquement les apprentissages de type scolaire, et aussi le bien-être des enfants, j'y reviendrai. Et donc, de ce point de vue-là, on a été un certain nombre à plaider pour redonner sa spécificité à l'école maternelle sans anticiper sur l'école élémentaire. Alors, où sont les enfants de 2 à 6 ans en France ? Bon, je vous l'ai dit, vous le savez, à partir de 3 ans, près de 100% sont à l'école maternelle, dont je vous rappelle qu'elle n'est pas obligatoire. D'ailleurs, la scolarisation n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Hein. Vous pouvez instruire votre enfant chez vous, vous n'êtes jamais obligé de le scolariser. Mais en tout cas, en maternelle, il n'y a aucune obligation de scolarisation. Donc ça ne doit pas être si mauvais, puisque un truc pas obligatoire en France qui est utilisé par tout le monde n'est pas si fréquent, je pense. Entre 2 et 3 ans, ben, on a de grandes disparités. On a eu une forte réduction de la scolarisation des enfants de 2 à 3 ans depuis les années 2000. D'abord sous l'impact d'aspects démographiques, ensuite par des choix politiques d'investir ailleurs et pas là. Évidemment, cette réduction a eu pour effet une pression en plus sur l'accueil des enfants de moins de 3 ans dans d'autres structures. Alors, la scolarisation des 2-3 ans a été relancée depuis 2012, mais dans des conditions spécifiques. Alors, où sont les moins de 3 ans scolarisés ? Ben, 20% sont en éducation prioritaire, près de 10% ailleurs, et 96% des enfants de moins de 3 ans scolarisés le sont dans des classes multiniveaux. Alors il peut y avoir des classes enfantines avec 3-4 niveaux, mais le plus souvent c'est 2 niveaux d'âge. Si on a suffisamment de tout petits pour faire une classe, on a plutôt tendance à faire 2 classes de tout petits, voyez, pour avoir 2 niveaux d'âge dans une classe. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi on aurait des classes, on n'a pas de famille de 25 jumeaux, donc on ne voit pas du tout ce qui empêcherait des enfants de 2 ans de se développer en étant avec des enfants un petit peu plus grands qui jouent aussi le rôle des grands, des tuteurs, et ils ont à apprendre réciproquement les uns des autres. Bon, on a pu démontrer cela. Alors évidemment, dès les débuts de la scolarisation, il y a eu avant des choses. Il y a eu une histoire personnelle pour chacun avant l'école, que ce soit à 2 ans ou à 3 ans. D'ailleurs, quand on parle d'école à 2 ans, c'est assez impropre, parce que d'après nos études et celles du ministère, ce sont essentiellement les enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui sont scolarisés, et très peu de 2 ans, 2 ans et demi. Hein, mais c'est lié à des rentrées scolaires. On a les moins de 3 ans, c'est 75% des enfants de 2 ans et demi, 3 ans, et 25% d'enfants de 2 ans, 2 ans et demi. Et avec de grandes inégalités territoriales, mais qui remontent au début du XXe siècle. Paris n'étant pas du tout un exemple, ne reflète pas du tout ce qui existe en France, puisque traditionnellement à Paris, quels que soient les maires, le gouvernement, on a eu les 3 ans à l'école et les moins de 3 ans pas à l'école, ailleurs. Voilà.
On a juste développé un tout petit peu la scolarisation des moins de 3 ans à Paris quand les enseignants ont craint de perdre des postes, ce qui n'est pas le meilleur programme pédagogique. Mais bon. Alors, quand les enfants arrivent à l'école à 3 ans ou quelques mois avant, ils manifestent des écarts de développement très importants, dont on oublie qu'ils sont d'abord liés à l'âge. Dans une classe, même si on a scolarisé par année civile, on a des écarts de près d'un an, par définition, dans la classe, entre ceux qui sont nés en janvier et ceux qui sont nés en décembre. Alors évidemment, quand on est adulte, un écart d'un an, ça ne compte pas, mais à 3 ans, c'est un tiers du développement. À 4 ans, c'est un quart du développement. Vous voyez, c'est quand même très important. Et on ne peut pas considérer que tous les enfants vont s'intéresser aux activités, réaliser de la même manière des choses, quel que soit leur âge. Je le dis parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Et puis, rappelons aussi cette dynamique du développement. On peut avoir des intérêts au mois d'octobre ou novembre, et puis ils peuvent être complètement différents 3 mois après. On a aussi des différences sociales et culturelles dans le rapport à l'école. L'école peut proposer des activités assez proches de ce que connaît l'enfant dans sa famille, ou bien au contraire ça peut être très très différent. En tout cas, pour tous, il s'agit de se retrouver dans un groupe relativement large, même si auparavant ils ont été à la crèche, donc dans un lieu d'accueil collectif. En tout cas, le premier besoin d'un jeune enfant, c'est pouvoir compter sur un adulte pour prendre en compte ses besoins et y répondre. Donc j'insiste là-dessus, la nécessité d'avoir une école où l'enfant a confiance dans les adultes, développe une confiance de l'école, et ça suppose aussi un projet individualisé pour chacun. Alors, une chose importante, dans la qualité de l'éducation de la petite enfance, elle a un impact plus fort sur les enfants les plus vulnérables. Je ne parle jamais d'enfants à risque, je parle d'enfants vulnérables, que ce soit par leur bilan biomédical, par des difficultés familiales, par des caractéristiques socio-économiques, il peut y avoir une grande prématurité, il peut y avoir du handicap aussi. Eh bien, ces enfants vulnérables sont plus sensibles que les autres, à la fois aux aspects positifs et aux aspects négatifs de l'éducation de la petite enfance. C'est-à-dire que si on retient les aspects positifs, l'éducation de qualité est un facteur de protection des enfants vulnérables. Évidemment, une éducation de faible qualité dans la petite enfance a des effets négatifs encore plus importants pour eux que pour les autres. Alors, cette scolarisation des enfants de 2-3 ans, on l'a largement étudiée dans mon équipe depuis les années 90. On sait qu'elle a des effets positifs sur les compétences à l'entrée au cours préparatoire. On peut l'évaluer sur le langage, notamment, mais pas uniquement. Et ces effets positifs sont sensibles surtout pour les enfants de milieux défavorisés, mais aussi de milieux très favorisés, les cadres supérieurs ou les professions intellectuelles, par exemple les enseignants. Alors, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Peut-être que chez les cadres supérieurs, c'est aussi, dans les milieux enseignants, des stratégies, ça fait partie des stratégies familiales pour aider les enfants à réussir. Ce qu'on peut dire après un certain nombre d'études sur des suivis de plus de 10 000 enfants jusqu'au collège, c'est que une scolarisation avant 3 ans a des effets positifs si les enfants et les familles bénéficient d'une certaine souplesse de l'accueil et des horaires, si ils sont accueillis dans des locaux adaptés et pas devoir monter à l'étage et avec un dortoir qui est très distant d'une salle de classe, si on a un personnel suffisant et bien formé.
c'est, qui n'est pas toujours le cas. Si on a un professeur des écoles et puis une assistante maternelle, une ADSEM, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles payé par les communes compétentes, pour un nombre d'enfants autour d'une vingtaine, on est dans des conditions qui sont satisfaisantes. Et puis aussi, si on a un projet pédagogique concerté avec les partenaires de l'école, que sont les parents et les partenaires locaux, associations, le préscolaire, le périscolaire, etc. Alors, je me suis intéressée beaucoup aux conversations en maternelle, parce que c'est là qu'on commence à apprendre à prendre sa place dans un groupe, verbalement. C'est la découverte des situations de grand groupe, c'est prendre une place dans la conversation collective, et c'est difficile pour un certain nombre d'enfants qui donnent des réponses incorrectes ou hors thème, qui participent peu ou pas du tout, et de manière régulière. Et lorsque ils participent peu, on voit des incidences de ces difficultés sur la suite des apprentissages. Alors, c'est évidemment pas dans des grands groupes d'une vingtaine d'enfants et plus que les enfants peuvent apprendre à développer leurs compétences de communication, et on a montré tout l'intérêt des petits groupes de langage. Déjà dans les années 90, on a travaillé là-dessus, et puis ça a été relativement étendu dans un certain nombre d'écoles, à condition de séparer les grands, les moyens, les petits parleurs, parce que si vous avez un groupe de 6 ou 8 enfants avec 4 ou 5 qui parlent peu en grand groupe et vous en mettez 2 qui ont déjà les réponses avant que vous ayez fini de poser la question, eh bien on va reproduire les mêmes schémas, alors que ils se retrouvent, c'est pas des groupes de niveau, hein, mais simplement pouvoir prendre la parole quand on en a envie sans être empêché par un grand parleur. Ou bien pour les grands parleurs, ils ont aussi des choses à apprendre, ne serait-ce qu'à écouter les autres, à prendre le temps de laisser les autres finir de parler et même reformuler ce qu'ils avaient envie de dire. Tous sont à apprendre et on voit des effets positifs dès lors qu'on peut organiser des séances d'une quinzaine de minutes régulièrement sur le temps scolaire. Au moins 7 ou 8 fois, et là on va voir des compétences acquises dans ces petits groupes qui vont se transférer à des situations où la concurrence pour l'accès à la parole est plus forte, dès lors qu'on a appris aussi à partager l'accès aux conversations, comme on partage les pots de peinture et le reste dans la classe. Donc on sait qu'on devient un participant actif et qu'on développe son langage en parlant. De grands psychologues avant moi l'ont dit, donc je me permets de le répéter, et c'est pas uniquement en restant silencieux. Alors, bien sûr, il y a des enfants qui parlent très peu en classe et qui parlent beaucoup chez eux, tant mieux, mais apprendre à prendre sa place dans un groupe, c'est une compétence qui vous suit jusque dans votre vie d'adulte, dans votre vie professionnelle, dans un amphi à l'université, etc. Et ça s'apprend. Alors, quel est l'impact de l'école maternelle sur le développement ? Eh bien, j'avais écrit, après un certain nombre d'études pour le Haut Conseil de l'éducation et son rapport sur l'école primaire, que l'école maternelle ne met pas tous les enfants dans les conditions de réussir à l'école élémentaire. Et leur avenir scolaire semble déterminé très tôt. 50% des inégalités de réussite à l'entrée au collège, en sixième, sont dues aux différences de compétences à l'entrée au cours préparatoire. Alors, quand on parle des compétences à l'entrée au cours préparatoire, ce qui s'est passé avant, c'est pas que de l'école maternelle. C'est du mode d'accueil préscolaire, quand il y en a eu, parce que la majorité des enfants de moins de 3 ans, et surtout de moins de 2 ans, sont gardés par les familles, ce qui veut dire en clair par les mamans. Donc il y a de l'éducation familiale, il y a du développement dans des lieux d'accueil individuels ou collectifs, et il y a aussi de l'école maternelle. Donc disons que l'école maternelle ne réussit pas à compenser des inégalités à l'entrée. Et on voit des progressions différentes selon le milieu social, avec une augmentation des écarts dans les compétences alors scolaires, là, des enfants autour de la maîtrise de la lecture, de l'écriture et aussi des apprentissages mathématiques. Alors, le ministère a pu comparer
les performances en cours préparatoire dans un suivi de ce qu'on appelle des panels, donc des populations de milliers d'enfants, examinées pour un premier panel en 1997 et puis un autre examiné en 2011. Et bien, donc avec les mêmes épreuves, les mêmes évaluations, on a pu constater une augmentation importante des performances en cours préparatoire, en prélecture, écriture, numération. Donc on peut se dire, finalement, l'école maternelle a dû progresser, puisque arrivés en CP, les enfants en 2011 réussissent mieux dans certains domaines qu'en 1997. Le problème, c'est que lorsqu'on a examiné ce qui se passait en CE2 pour un panel évalué en 1999 et un autre en 2013, donc ce suivi de panel, eh bien, les progrès ne sont pas confirmés. Si la lecture est stable, on a une baisse en orthographe et en vocabulaire. En mathématiques, on a des progrès en soustraction, mais une baisse en résolution de problèmes. Et puis, un autre résultat ennuyeux, c'est que si les élèves en retard sont moins nombreux, ils sont nettement moins performants, toujours du point de vue de ces compétences scolaires évaluées, donc en CE2 d'une part, en CE2, en CP d'une part, en CE2 d'autre part. Probablement parce que l'école maternelle, avec cette primarisation qu'on a connue au cours des années récentes, a entraîné, par exemple, les compétences phonologiques, ce qui est le travail préparatoire à la lecture, etc. Donc ça a produit des effets en termes de procédure. Mais pour autant, ça ne suffit pas, et peut-être qu'on a un peu oublié d'autres aspects du développement global et d'autres acquisitions tout à fait essentielles. La compréhension, par exemple, la compréhension orale, être capable de faire des inférences, ce qui est tout à fait essentiel pour comprendre des récits, parce qu'évidemment, on n'évalue pas les mêmes choses en CP et en CE2. Hein. On évalue des compétences de nature plus complexe en CE2 qu'en CP. Alors, si je fais un focus sur le langage des enfants, non pas parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais parce que le langage est un domaine du développement tout à fait important, à la fois en lui-même, maîtrise du langage, mais aussi parce qu'il est le vecteur de nombreux autres apprentissages, même si tout ne passe pas par le langage, certes. Qu'est-ce qui est utile pour développer le langage des enfants? Alors, ce n'est pas mon point de vue que j'exprime là. Derrière chaque item, il y a tout un corps de recherche au cours des 20, 30, voire 40 dernières années. C'est d'abord savoir reconnaître les compétences des enfants. Et souvent, les adultes, pas uniquement à l'école, sont plus sensibles aux manques, aux difficultés. « Ah, il a un vocabulaire pauvre, ah, il articule pas bien, etc. Ah, il dit des gros mots. » Ben oui, forcément, dans toutes les cultures et à tous les âges. Mais c'est aussi important, voire essentiel, de reconnaître les compétences des enfants. Parce que d'abord, c'est à partir des compétences qu'on peut leur apprendre des choses nouvelles. C'est aussi prendre le temps d'écouter l'enfant et de lui répondre. Dans toutes les familles, on parle aux enfants. Mais parler avec l'enfant, prendre le temps de l'écouter, il peut arriver qu'un adulte pose une question à l'enfant, mais « Allez, dépêche-toi, il faut qu'on rentre, monte dans la voiture, etc. » Donc une fois, bon, il ne va pas se décourager, deux fois non plus, mais peut-être qu'au bout d'un certain temps... il ne va pas penser que finalement il est utile de parler tant que ça puisqu'on ne lui répond pas. Et comme me disaient des enfants à l'école maternelle, quand on travaillait sur ces petits groupes conversationnels, ils préféraient être en petits groupes, les petits parleurs préféraient être en petits groupes. Je disais pourquoi? Eh bien, tu sais, elles nous écoutent mieux en petits groupes. Alors, elles nous parlent et moi ça me donne envie de reparler. Voilà, ils avaient tout compris, parce que quand on faisait nos analyses statistiques avec des analyses factorielles, mettant dans la machine différents paramètres du langage des enfants, différents paramètres du langage des enseignants, eh bien oui, on voyait que ce qui incitait les enfants à parler, c'était le taux de réponse qu'ils recevaient.
Bon, il fallait le démontrer, ça peut paraître évident quand je le dis, mais il fallait le démontrer. C'est pas seulement solliciter un enfant, oui, ça va le faire parler une fois, ça va l'inciter à parler une fois, mais c'est parce que vous lui répondez qu'il aura envie de reparler. C'est l'inviter à prendre la parole et lui laisser le temps de le faire. Donc parler avec l'enfant plutôt que parler à l'enfant, tous nous parlons aux enfants, fais ci, viens là, etc. Mais parler, c'est n'oubliez pas, chers adultes, parents, futurs parents, n'oubliez pas que parler avec quelqu'un, c'est échanger des pensées. Donc vous faites part de vos pensées, mais sollicitez celles de l'enfant et prenez le temps de l'écouter. C'est aussi jouer avec lui et partager des activités. Parce que, en fait, les enfants apprennent à parler dans un dialogue d'action. On parle de ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'on joue, ou qu'on met le couvert, ou je ne sais quoi, qu'on parle de ce qu'on fait. Alors, parler de ce qu'on fait, mais aussi de ce qui a eu lieu. Et puis, de ce qui va arriver. Et quand on parle de ce qui va arriver, y compris... Bon, écoute, oui, je sais, tu veux que je te lise une histoire, mais d'abord, il faut que je range la vaisselle. Alors, tu vas m'aider, si vous n'êtes pas sur le service en porcelaine de la grande tante, ça peut se faire. Et puis, ensuite, on fait ça, on lave les dents, et après, je te lis une histoire. Eh bien, dire ça, c'est rendre l'avenir prédictible à l'enfant, et c'est une manière de le sécuriser. Il sait à quoi s'attendre. Souvent, les enfants ne savent pas à quoi s'attendre parce que les parents ne leur expliquent pas, ne leur donnent pas des repères. Il ne s'agit pas de leur dire dans 20 minutes, on va faire ça, ça n'a pas de sens pour lui. Mais vous lui mettez comme ça des repères temporels d'activité et il va suivre ça très bien. C'est chanter avec lui, même si vous chantez faux, ce n'est pas grave. Chanter avec lui et jouer avec les sons et les mots. Ça, c'est super pour développer la conscience phonologique. Et donc, si vous chantez, vous allez aider l'enfant après à apprendre à lire. Parce que pour la lecture, c'est la correspondance entre la phonologie, les sons de la langue, et les choses écrites, ce qu'on appelle les graphèmes, hein, les traces sur la page. Donc, plutôt que de vouloir anticiper sur les apprentissages de l'élémentaire, voilà une bonne occasion d'apprendre, enfin de préparer à la lecture. Puis en plus, les enfants aiment beaucoup chanter avec les adultes. C'est lui donner l'occasion de parler avec d'autres personnes. Ne vous mettez pas toujours en travers. Vous allez à la boulangerie, donnez-lui l'occasion d'acheter le pain lui-même devant vous, avec vous. Donnez-lui l'occasion de parler avec d'autres adultes. Pourquoi ? Parce que ce que vous comprenez à demi-mot dans son discours, ça ne sera pas tout à fait le cas avec un autre adulte moins familier. Et donc, si l'enfant n'est pas compris d'emblée aussi facilement, ça va l'inciter à reformuler, à exprimer autrement, parce que lui-même cherche à comprendre et à être compris. Donc, vous l'aidez à progresser en faisant cela. C'est regarder des livres ensemble et raconter des histoires. D'abord parce que c'est trop bien de raconter des livres, de lire des livres avec un enfant sur les genoux ou à côté de soi. Raconter des histoires, y compris des histoires de quand vous étiez petit. Alors ça, c'est plutôt les grands-parents qui font, hein, mais bon, ce qui est passionnant pour un enfant. Et pourquoi raconter des livres ? Parce que on a pu noter que le vocabulaire dans les livres de la littérature jeunesse, hein, même les petits ours bruns et tout ça, le vocabulaire, même la syntaxe, est souvent plus riche que ce qu'on utilise dans les soins quotidiens, autour du repas, autour d'autres activités. Et puis, regarder un livre avec la parole qui va dessus focalise l'attention de l'enfant sur le langage. Ce qui n'est évidemment pas le cas quand on est en train de manger, ou de donner le bain, ou etc. Et puis bien sûr, si vous pensez que votre enfant, ou que cet enfant a des difficultés, à tort ou à raison, peu importe, il faut en parler à des professionnels. Alors ça peut être, selon les cas, ceux de la crèche, à l'école, le médecin. Alors bon, les médecins généralistes et quelquefois les pédiatres ne sont pas spécialement formés. Mais avant de vous inquiéter, essayez d'en parler autour de vous. Alors, justement, quelque chose qui est peu développé en France, c'est le bilinguisme précoce. Hein. On a fait
d'excellents... Ouh là là, il faut que j'accélère, moi, 49 minutes, là, ça commence à faire beaucoup. On a développé, en fait, un modèle monolingue, le français pour tout le monde, à partir de ces langues régionales et autres. Alors, nous avons des langues différentes, nous avons de nombreuses langues différentes, et la majorité des êtres humains à la surface du globe sont plurilingues. Donc ce qu'on a pu montrer avec mon équipe, ce que d'autres avaient montré par rapport à l'anglais, langue d'enseignement, nous l'avons montré par rapport au français, langue d'enseignement, c'est que développer la maîtrise de ces langues de socialisation, voire de langues de l'immigration, aide bien sûr à la maîtrise de ces langues, mais aide aussi à la maîtrise des langues d'enseignement. Et ce, parce que les capacités sont maximales chez les jeunes enfants pour traiter à la fois la phonologie et la morphosyntaxe, parce que travailler une langue favorise l'apprentissage d'autres langues et ça contribue aussi au développement d'autres capacités, créativité, résolution de problèmes, compétences sociales. Évidemment, ça ne va pas non plus sans une transmission familiale. Il faut que cette autre langue, elle ne soit pas enseignée que quelques heures par semaine. Et c'est même pas un enseignement d'une langue, c'est parler, communiquer dans une autre langue que le français. Alors, j'aurais voulu aussi parler du développement de la créativité. On a des recherches récentes qui montrent que l'initiative, ça suppose la créativité, l'innovation, la prise de risque. Et selon que l'adulte enseigne de manière directe, montre par exemple en détail les multiples façons de faire fonctionner un jeu musical inconnu de l'enfant, ou bien qu'au contraire, il fait semblant de ne pas savoir comment ça marche, d'obtenir des bruits de ce jeu musical par hasard, eh bien, on voit qu'avec l'enseignement direct, les enfants vont donner une réponse précise quand on leur donne la possibilité de manipuler le jeu eux-mêmes, mais ils ne vont pas aller au-delà. Alors que si on ne leur donne pas une démonstration, eh bien, ils vont découvrir par eux-mêmes différentes solutions, différentes possibilités, ce qui est évidemment beaucoup plus créatif et développe aussi l'initiative. Alors, on sait également que les enfants sont des grands imitateurs dans cette période d'âge. Hein, ils imitent fréquemment un adulte, voire un autre enfant, mais on ne s'était jamais demandé pourquoi ils imitent telle chose et pas telle autre, pourquoi ils imitent tel adulte et pas tel autre. Eh bien, les enfants imitent davantage les séquences d'actions qui produisent le résultat souhaité, hein, quand ils l'ont vu. Mais selon que l'adulte s'avère un enseignant, entre guillemets, compétent ou un démonstrateur naïf, eh bien, en fonction des probabilités de réussite, ils vont plutôt imiter celui qui est compétent, parce qu'il réussit régulièrement ses essais, qu'un démonstrateur naïf qui tantôt échoue, tantôt réussit. Alors c'est quand même assez fascinant, parce que on n'a pas forcément cette représentation des compétences, jugements probabilistes, inférence causale des enfants, surtout que les adultes ne font pas forcément preuve des mêmes compétences. Alors on voit que les tout-petits peuvent raisonner en termes statistiques, alors que les performances des adultes face aux jeux de hasard, par exemple, sont relativement mauvaises. On remarque que ça fait la fortune des propriétaires de casinos et des jeux de loto, etc. Bon, je ne vais pas développer ces derniers aspects, simplement pour dire que d'une génération à l'autre, il y a certes des besoins identiques, mais on a aussi un monde en changement, avec des bébés qui sont échographiés en 3D avant leur naissance, des enfants qui naissent dans un monde numérisé, avec un accès aux écrans, aux tablettes, un peu plus tard aux smartphones, ordinateurs, aux jeux vidéo, et puis la télévision souvent présente et trop présente. Mais on a aussi des domaines d'apprentissage nouveaux, bien sûr, lire, écrire, compter, mais pas uniquement, il y a beaucoup d'autres choses. Les enfants se plaignent de ne pas avoir aujourd'hui suffisamment de temps de jeu libre,
Les adultes organisent leurs loisirs. Alors dans tous les milieux, ça sera le centre de loisirs, ça sera les cours de violon, de dessin ou autre chose, très tôt, ou le judo à 4 ans, etc. Et ils se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour eux, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est aussi du temps pour rêver. Ça peut être du temps pour l'ennui, ce qui est très bénéfique, parce que quand on s'ennuie, je ne sais pas quoi faire, eh bien, on est bien obligé d'en sortir, finalement, et de chercher qu'est-ce qu'on a envie de faire, et de planifier soi-même ses activités. Ils se plaignent aussi du manque de jeux dehors. Alors, pour des raisons de sécurité, pour des questions de logement, pour la place des écrans, etc., on a moins de jeux dehors. Et ils se plaignent aussi de ne pas interagir suffisamment avec les adultes et notamment avec les parents. Je termine sur la qualité de vie des jeunes enfants. On sait qu'il existe un certain mal-être des enfants dès l'école maternelle. Il y a eu plusieurs enquêtes là-dessus. Nous travaillons ces questions-là à l'école et au collège avec des entretiens collectifs en maternelle et en élémentaire et puis aussi des questionnaires pour les plus grands. Et nous avons suivi comme ça 161 enfants de 5 à 12 ans avec trois questions en entretien collectif. Quand est-ce que vous vous sentez bien? Quand est-ce que vous êtes heureux? Quand est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Quand est-ce que vous êtes malheureux? Et puis la dernière, si vous pouviez changer quelque chose dans votre vie avec une baguette magique, est-ce que vous changeriez quelque chose? Et si oui, quoi? Alors les réponses des enfants, pour les plus jeunes, ce qui est important, c'est être à la maison et se détendre, c'est 47% des réponses. C'est la famille, 24%, faire des choses avec les parents, et puis les peurs sont les peurs de perdre des membres de la famille, des peurs de séparation, les parents qui ne s'entendent plus. Enfin, au même niveau, ce sont les loisirs qui sont importants, le jeu, les vacances, les promenades, pouvoir jouer, ne pas être empêché de jouer, ça c'est l'horreur, être empêché de jouer, scandale. Et puis, il y a l'école aussi chez les plus jeunes, elle va prendre un poids bien plus important dans le bien-être et dans le mal-être. C'est le plaisir d'apprendre des choses nouvelles, d'être avec les copains, mais c'est aussi la peur d'être grondé et la peur de ne pas réussir dès l'école maternelle. Donc, autant promouvoir une école de la confiance, je me répète, mais j'insiste, savoir identifier, valoriser les progrès, encourager l'enfant, plutôt que repérer les manques. Attention aux évaluations négatives, explicites ou implicites, elles sont perçues par les enfants. La peur d'échouer existe dès la maternelle. Les enfants sont capables en maternelle, alors qu'il n'y a pas de classement, de dire quels sont les premiers de la classe en langage, quels sont les premiers de la classe en dessin, et quels sont les derniers, et de se situer eux-mêmes, et toi t'es comment, parmi les premiers ou parmi les derniers? Alors les petits garçons ont tendance à se surestimer un peu, mais globalement, leurs réponses sont en accord avec les évaluations qu'on demande en parallèle aux enseignants. Donc ils se fondent effectivement sur des évaluations négatives, explicites ou implicites, les haussements d'épaule, les hors, bref. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait celui-là aujourd'hui? Et comme si l'enfant était sourd, mais non, il a toujours l'oreille pour entendre ce qui s'est dit. Et peut-être que si on réfléchissait à ces aspects-là dès l'école maternelle, on préparerait mieux notre avenir et on éviterait le pessimisme français régulièrement mis en évidence par l'INSEE dans sa dernière enquête de 2011. J'ai trouvé ce propos de Clonéa Sednik, l'école d'économie de Paris en 2012, qui rejoignait tout à fait ce que j'avais pu écrire dans d'autres termes. Les politiques devraient prendre en compte l'influence indiscutable des facteurs psychologiques et culturels dans la perception du bien-être, et comme ceux-ci sont en partie acquis à l'école et dans d'autres instances de socialisation, cela pointe de nouveaux aspects des politiques publiques liés aux aspects qualitatifs de notre système éducatif. Évidemment, quand les enfants disent « regarde-moi, regarde-moi, regarde ce que j'ai su faire aujourd'hui » ou quand ils sont en haut du plongeoir, prêts à sauter, mais ils ont absolument besoin du regard d'autrui, ils ne sont pas là en train de vouloir spécialement montrer une performance. En fait, ils plaident pour leur propre existence, comme le dit cet auteur américain d'un roman, Montgomery. Voilà.
Donc faisons en sorte que les compétences des jeunes enfants soient celles que les adultes soient capables de leur reconnaître au quotidien. Rappelons-nous qu'ils ont un appétit de savoir, un besoin de trouver du sens à ce qui leur est proposé. Donc attention à nos évaluations, attention au risque de découragement appris. Faisons en sorte que nos petits chats soient des lions, se représentent comme des lions. Voilà, quelques ouvrages récents qui ne sont pas en vente parce que ça n'avait pas trop marché pour le libraire la dernière fois, donc il n'est pas revenu. Enfin, ça se trouve sur n'importe quel moteur de recherche en tapant mon nom. Ce ne sont pas que des ouvrages personnels, mais aussi des ouvrages collectifs. Voilà, merci de votre attention. Excusez-moi d'avoir débordé un peu.